Je dirais le docteur Duvalier, président de la ville de la République, comme un homme venu pour remplir une mission. Cette mission, je la remplis. Et je la remplirai jusqu'au bout. Pourvu qu'on ne dise pas que je me suis métamorphosé en ougan pour disparaître et reparaître, comme ils ont l'habitude de le faire. C'est le prêtre du vaudou. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils inventent des rumeurs. Tantôt, il est mort. Tantôt, il est dans une morgue. Tantôt, il a disparu. Tantôt, il est impotent. Tantôt, il est incapable de conduire à bien sa mission. Gérard Aubourg est parmi nous. Il va nous présenter son livre qui encore une fois est sans équivalent sur le sujet. Haïti, il s'est passé des choses entre Toussaint Louverture et les calamités qu'elle a subies ces dernières années. Il s'est passé des choses d'ailleurs assez tristes et poignantes. Nos générations, je parle de pour Gérard et pour la mienne, pour celle de Gérard et pour la mienne, en était bien informé, mais était loin de savoir tout ce que Gérard nous en apprend dans son livre sur donc le fascisme mystique, un excellent titre, du docteur Duvalier. Donc, eh bien Gérard, je vais te laisser faire une brève présentation du livre, de sa genèse et brièvement de cette histoire avant qu'on puisse débattre avec les nombreuses personnes qui sont présentes ce soir. Gérard, à toi. Oui, mais je crois que tu as dit des calamités en Haïti depuis quelques années, mais je crois que c'est plutôt depuis des siècles. Oui, celle des dernières années. Celle des dernières années. Pardonne-moi. C'est plutôt depuis des siècles, depuis l'arrivée de Christophe Colomb sur la côte ouest d'Haïti. Je commence toujours mes petits entretiens par cette histoire parce que je trouve qu'elle qualifie bien la tragédie d'Haïti parce que, comme vous savez, Christophe Colomb a atterri sur la côte ouest, là où se trouve cette île qu'on appelle l'île de la Tortue, où il y a tous les films sur les corsaires, les pirates. Et là, il y avait un chef indien qui s'appelle Guacanagarik, qu'il a reçu et pacifiquement, et quand son premier bateau a fait naufrage, l'a aidé à le réparer. Il lui a même donné un terrain pour construire un fort que Colomb a appelé la Natividad, dans lequel il avait laissé une centaine de conquistadors avant de retourner en Espagne. Mais malheureusement, ces conquistadors, ayant vu qu'il y avait de l'or un peu partout, se sont introduits à l'intérieur de la ville et ils sont arrivés chez un autre cacique chef indien qui s'appelait Kaonabo, mais celui-là n'était pas un pacifique, c'était un guerrier. Il a massacré tous les conquistadors, il a brûlé le fort La Natividad, et quand Christophe Colomb est arrivé, eh bien, il a trouvé que tout a été détruit. Et je dis que c'est comme ça que j'ai défini Haïti, c'est un pays à la fois très pacifique, mais c'est un pays très guerrier, parce qu'il y avait les deux aspects fondamentaux de l'histoire de toute société, des gens pacifiques et des gens vindicatifs. Kaonabo en était un, et c'est comme ça que la guerre a commencé. Et depuis, l'histoire d'Haïti, c'est l'histoire
d'une tragédie sans fin. Duvalier lui-même, c'est un produit... Une tragédie moderne, Duvalier. C'est un produit de la bourgeoisie haïtienne. Duvalier est très typique d'Haïti à cause de ses haines, parce que Duvalier, la vie de Duvalier, son histoire, c'est une histoire aussi tragique. Duvalier, comme je l'ai tenté de l'exposer dans le livre, est le fils de son grand-père. Donc c'est déjà très freudien, comme vous voyez. C'est un monsieur qui a, dont l'enfance a passé dans la solitude, la tristesse et l'ennui. Et il a emmaganisé dans sa poitrine des haines, du fiel dans son esprit, parce que, précisément, il a subi les préjugés traditionnels de ce pays. Parce que, comme vous le savez, après les Espagnols, après Christophe Colomb, les Français, c'est l'esclavage, c'est les nègres qui sont arrivés d'Afrique, c'est l'esclavage. Et là, le nègre dans cette société, c'était un objet, c'était un meuble. Il y a un grand auteur français du XVIIIe siècle, Moreau de Saint-Méry, qui a écrit un grand livre des descriptions topographiques, politiques, sociales d'Haïti, et qui a expliqué dans son livre et qui a établi qu'il y avait 24 nuances de couleurs dans la société coloniale esclavagiste française de Saint-Domingue. En haut, il y avait le blanc, tout en haut, et c'était une ontologie, et puis en bas, il y avait les nègres, et à l'intérieur, il y avait une multiplicité de nuances, d'où le préjugé de couleur. Moi, quand on me parle de racisme en France, je dis d'accord, mais je ne connais de pays plus raciste qu'Haïti. Parce que ce sont les facteurs de formation de ce pays. Et Duvalier lui-même est un produit authentique. Moi, je suis à l'opposé de Duvalier. Je suis pacifique, je ne suis pas guerrier, je n'ai pas de haine, je n'ai personne. Tandis que lui, il a été vraiment structuré par ça, d'où sa violence, la façon avec laquelle il a détruit le pays. Pendant longtemps, après avoir écrit le livre, je me suis demandé, mais pourquoi Duvalier a détruit systématiquement Haïti ? Et c'est en pensant cette semaine que j'allais venir ici que je trouvais que c'était effectivement un produit de la bourgeoisie haïtienne qu'il a fabriqué comme ça, qui a introduit dans son corps tout ce venin à cause de toutes ces haines qui existent dans ce pays. Lui, il a assimilé tout ça, il a intériorisé tout ça, mais il n'a pas fait ce que l'autre appelle la transcendance de l'ego. Et parce que je crois que c'est très difficile. Donc comme vous verrez dans le livre, c'est quand même étonnant de voir qu'un chef d'État, non seulement il a détruit le pays, mais il a détruit toutes les vies humaines, tous les gens qui pensaient, tous les gens qui avaient une idée, tous les gens qui voulaient faire un bien, il les tue. Et pourtant, c'est pas une métaphore, c'était un vrai médecin, il a fait ses 6 années d'études de médecine, donc probablement, peut-être, il a dû faire des études de médecine parce qu'il voulait savoir comment mieux tuer, comment mieux exterminer. C'est un exterminateur, voilà. Là, on va évidemment pas résumer le livre, c'est pas ce que j'attendais de toi, puisque c'est quand même un assez gros livre avec un contenu assez dense, bien qu'il se lise très agréablement et très facilement. Mais j'ai deux questions en préambule. Évidemment, ça ne... il y en aura peut-être beaucoup d'autres au fil de la discussion. Une, c'est sur le titre. On a discuté dans une petite discussion que nous avons eue, tu as évoqué...
un concept, à mon avis, complètement absurde, bien digne de cette courge de Hannah Arendt qui est le totalitarisme, mais tu as choisi et dans lequel tu es entré. Mais, donc t'imagines ce qu'un stalinien peut te dire de ça. Mais j'ai beaucoup apprécié que tu aies bien identifié qu'il s'agissait d'un fascisme et d'un fascisme mystique. Donc ma question, ma première question, mais je vais te poser ensuite la deuxième tout de suite, comme ça tu vas réfléchir aux deux et tu répondras dans l'ordre que tu voudras. Donc un fascisme mystique, c'est très important que tu expliques tout ça, parce que ça c'est la spécificité vraiment haïtienne. Tu vas détailler ça, enfin au moins donner une petite idée. Et l'autre question, tu viens d'en parler, tu dis il a détruit Haïti. Mais pour le public actuel, je parle pour beaucoup de jeunes, parce que parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, il y en a beaucoup qui n'ont même jamais entendu parler de Duvalier et des Papadocs. Hein. Il faut voir que c'est générationnel. Ils ont l'image d'Haïti aujourd'hui comme un pays qui aurait été toujours complètement délabré dans un état de déréliction absolue, victime non seulement de toutes les calamités naturelles, mais de toutes les calamités sociales, politiques, imaginables. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a toujours été un pays, évidemment, de ce qu'on appelle le tiers-monde. À l'époque que tu as évoqué, ta jeunesse, où tu as donc grandi, été étudiant, tu vas nous expliquer brièvement comment Haïti, et où il y avait même beaucoup de communistes, comme tu vas le rappeler, de marxistes, une élite de haut niveau, et il y avait quand même une vie sociale, économique qui était tenable, qui ressemblait quand même à quelque chose. Et donc il va vraiment détruire ça. Haïti n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui. Alors ce que j'aimerais, peut-être qu'on peut commencer par ça. Qu'est-ce que c'était Haïti au moment où Duvalier va arriver pour le détruire? Eh bien déjà, dans la première partie du livre, il y a même un de mes amis lecteurs qui m'a dit oui, « Bon, la première partie de ton livre, c'est une autobiographie. » Et puis, tu parles de délabré, de calamité, mais tu me vois, je suis très beau. Je n'ai pas l'air de quelqu'un. Voilà. En général, tu vois, je me présente et les gens trouvent, bon, oui, on montrera des photos de toi à l'époque. Comme Duvalier, j'ai grandi en Haïti. Comme Duvalier, j'ai passé, comme c'est rappelé dans la quatrième de couverture, mon enfance et ma jeunesse dans une rue de Port-au-Prince. J'étais à l'école primaire, dans une petite école primaire de quartier populaire. Et puis, au lycée Alexandre Pétion. Le lycée Alexandre Pétion, j'aime bien le rappeler aux Français lorsqu'ils me rencontraient, lorsque je venais d'arriver ici, surtout mes amis de la Sorbonne, qui pensaient que Haïti, c'était rien du tout. En général, ils me disaient « Tahiti », je dis « Non, c'est Haïti ». Le lycée où je fais mes études, parce qu'ils pensaient que tous les Haïtiens... Tania Berland, la première fois qu'elle a rencontré un Haïtien qui a son baccalauréat, c'était Joao Bou, elle m'avait dit que Tania, c'est une amie commune à nous deux. Guyanaise. Guyanaise qui est tout près, que Haïti c'était un pays d'analphabètes. Donc, alors j'aime bien rappeler aux Français que je fais mes études au lycée Alexandre Pétion, et le lycée Alexandre Pétion a été créé en 1816. Et ce lycée fonctionne depuis 1816. Depuis 1816, on fait des études secondaires en Haïti, c'était 1816 si vous voyez. C'est secondaire à peine, des études supérieures. Oui, c'est à peine 10 ans après l'esclavage. Donc, par conséquent, et puis ensuite, dans les années 40, oui, il y avait une chanteuse populaire, une sorte de Luman Casimir haïtienne qui chantait « Haïti chérie, plus bel pays passé haut, non point. Haïti chérie, plus beau pays que toi, il n'y en a pas. » Lorsque vous êtes en Haïti, lorsque tu es Luman Casimir chantait, lorsqu'on est en pays blanc, lorsque tu es dans le pays des blancs, tout le monde sont seule couleur. Tandis que lorsqu'on est en Haïti, il y a toutes sortes de couleurs. Donc, et puis ensuite, pour collaborer ça, il corrobore ça, il y a le carnaval. Il suffit de regarder le carnaval en Haïti pour voir que, en fait, Haïti, c'est comme tous les pays. Il y a les aspects, dégueulasse, des aspects sordides, des aspects morbides,
Mais en même temps, il y a l'autre aspect, il y a la laideur et la beauté, si on peut parler, si on peut faire cette distinction, si ça existe vraiment, parce qu'il y a des esthètes qui ne croient pas à la laideur. Mais, je te coupe juste pour aller droit au but de ma question. Il y avait, tu insistes beaucoup là-dessus, et pour moi c'est très important pour le public français aujourd'hui, en particulier le jeune public, de prendre la mesure de ça. Il y avait une élite, une intelligentsia, il n'y avait pas seulement les musiciens, les fameux peintres naïfs, il y avait toutes sortes, toute une élite intellectuelle de haut niveau, qui connaissait beaucoup mieux d'ailleurs l'histoire de France que les Français ne connaissaient celle d'Haïti déjà à l'époque. Il y avait des professeurs de haut niveau qui enseignaient, certains d'ailleurs haïtiens, d'autres venaient même de la Sorbonne dont tu parlais, etc. Il y avait toute une élite, il y avait une activité, une effervescence culturelle, intellectuelle et politique considérable. Et c'est là que je voulais en venir, c'est ça qui va être détruit totalement, en plus d'un rapport social qui permettait aux gens de vivre au minimum dans la dignité. Et tout ça va être détruit par... mais d'abord les élites intellectuelles, artistiques et autres, va être détruit par Duvalier. C'est quand même un peu ça que raconte ton livre. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais en dire deux mots? Oui, alors si tu veux savoir pourquoi Duvalier a fait ça? Alors, comment ça s'est passé? Ben... En deux mots, puisque c'est le... Il y en a une somme de 200 pages dans le livre, donc... Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très mal. D'abord, il y a les Macoutes, les tontons Macoutes. Est-ce que tu peux rappeler comment il arrive au pouvoir, Duvalier, déjà? Il arrive au pouvoir... Quelle année? En 1957... Duvalier arrive au pouvoir après une crise très grave. Il y avait, comme je racontais dans le livre... Oui, mais c'est dans le livre, on ne va pas parler plusieurs candidats, et de tous les candidats, Duvalier était le plus moche. Mais Duvalier avait des instruments très puissants. Il était l'homme de l'armée. Ça, c'est une chose très importante. Oui, tu l'as mis avec un casque américain, d'ailleurs, sur la couverture. Non, je ne l'ai pas mis avec un casque américain sur la couverture. Il était toujours dans son bureau, avec son casque sur la tête, et puis avec un grand manteau, comme moi, rouge, sombre. Et les gens croyaient que c'est une couleur claire, mais en réalité, c'était, quand il était habillé comme ça, il était pratiquement possédé, c'était un esprit, c'était Ogun. Il était toujours comme ça, ça c'est pas moi qui le dis, c'est un des ministres de son fils, qui l'a vu, qui l'a rencontré plusieurs fois, le docteur Gillot, qui comme lui est un médecin, qui comme lui était un de ses Macoutes, et qui a dit que Duvalier était toujours... Alors là, si tu nous renvoies à la deuxième partie du titre... Le mysticisme, c'est très simple. Le mysticisme, c'est bon. Généralement, dans le vaudou, il faut... Il y a le fascisme, on va en parler, et il y a le mysticisme. Le mysticisme, c'est très simple. C'est Haïti, le mysticisme. En général, on ne connaît pas d'Haïtien qui n'est pas mystique. En général, ils disent, grande majorité d'entre eux, osent croire. Et lorsque deux Haïtiens, ou femmes ou hommes, deux Haïtiennes sont en train de discuter dans une rue de Port-au-Prince, la discussion s'échauffe, et puis à un certain moment donné, il y a un qui frappe son pied sur le sol, il dit « Ou pas qu'on a qui mon noir parlé là, c'est avec Loco Bassillé, tête en place. »« Ah, tu sais pas avec qui tu parles là, tu parles avec Loco, qui ne vacille pas, tête en place. »« Oh, qui est Loco ?» Loco, c'est l'un des grands dieux du panthéon vaudou haïtien, c'est le détenteur du secret de l'initiation. Donc tout haïtien pense qu'il a dans sa tête un esprit protecteur. Et ça, c'est déjà... Et alors, Duvalier, lui, c'est Ogun. Pas Ogun seulement. C'est l'un des... En général, quelqu'un qui est possédé dans le vaudou peut être possédé successivement par plusieurs esprits. Duvalier, c'était plusieurs. Duvalier est un mystique, effectivement. Ça, je ne sais pas dans ce livre-là, je l'ai dit. Son chef de la police était très étonné qu'un jour Duvalier lui a dit qu'il me faut 300 cadavres chaque année, Clément Barbeau.
il l'a dit. C'était une directive de Duvalier. Duvalier voulait que Barbeau lui apporte 300 cadavres. C'est pas dans ce livre, mais qu'est-ce Duvalier avait... Qu'est-ce qu'il en faisait? Il y a très peu de gens qui le savent. Lorsque le président Maninga est arrivé au pouvoir en 1988 en Haïti, et il y avait une salle au Palais National qui n'a jamais été ouverte. Et Maninga, qui venait d'arriver à la présidence, à la session de la présidence, a dit il ne peut pas y avoir une salle au Palais National qui n'est pas ouverte, il faut l'ouvrir. Et quand on l'a ouvert, on a trouvé un amoncellement de crânes. Mais les Haïtiens n'ont pas fait attention à la préface du livre de Dietrich, La vérité, le papa Doc et les tontons Macoute, La vérité sur Haïti. La préface est de Graham Greene, 2 pages. Et dans la préface de ce livre, c'est là justement que c'est à partir de ce texte de Graham Greene que je cherchais à savoir. Graham Greene qui connaissait bien puisqu'il a consacré un roman. Oui, Les Comédiens. Les Comédiens. Et Graham Greene dans sa préface. Curieusement, qui a dû être tourné au Dahomey, au Bénin. Pays d'origine du Vaudou. Ça a été tourné en France. Non, il l'a tourné, je sais, puisque j'y étais, largement au Bénin. Bénin. Ouais, c'est oui, parce qu'il ne pouvait pas tourner à Haïti, tout simplement. C'était impossible de tourner à Haïti. En tout cas, c'est la piste du mysticisme. Bah, c'est pas Graham Greene qui a tourné le film, mais le film avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Oui, Elizabeth Taylor et Richard Burton ont joué dans le film. Tout l'extérieur a été fait au Bénin. Et la piste justement du côté mystique dans le livre vient de ce texte de Graham Greene. Parce que j'ai été très surpris dans la préface du livre de Dietrich, Duvalier et les tontons Macoute, La vérité sur Haïti, Graham Greene raconte que Duvalier avait fait chercher la tête d'un officier, capitaine Blücher, qui a été tué au cours d'un accrochage avec ses troupes, et qu'on lui a apporté dans un seau de protection dans son palais. Et régulièrement, il s'habille tout de noir, avec son haut de forme noire. Il est dans sa baignoire et la tête du capitaine Blücher et Etienne, devant lui, Philogène, Blanchard Philogène, était devant lui. Il essayait de rentrer en communication avec le crâne, avec le mort, pour connaître ce qu'il a fait, toutes ses affaires, ses histoires, ses intrigues, ses conspirations et le reste. Là, et à partir de là, j'ai lu des livres. Dans certains livres, les auteurs racontent justement que Duvalier avait l'habitude, régulièrement, chaque fois qu'un de ses adversaires importants tombe, on lui apportait la tête. Et lorsqu'il y a eu une invasion qui a eu lieu dans le sud, qu'on appelle les très jeunes d'Haïti, les 2 derniers qui ont été tués, le maire de la ville de l'asile lui a appris que les 2 derniers rebelles ont été tués. Il a envoyé un télégramme envoyant tête coupée, envoyé les 2 têtes. Alors qu'est-ce qu'il faisait avec? Eh bien, la même chose qu'il fait avec Blanchard Philogène. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, si je peux me permettre cette métaphore, avec les Haïtiens en général? C'est-à-dire comment il a transformé, sur ses bases de fascisme mystique, donc le fascisme, on voit très bien comment il va pouvoir, et pourquoi il va s'exercer, donc, à la lumière de ce que tu viens de dire, concrètement, pour les Haïtiens, bon, on bien que de plus en plus de générations n'aient pas entendu parler de ça, il y a un aspect qui était présenté comme quasiment comme folklorique, mais qui était loin de l'être, qui était les tontons Macoute. Alors qu'est-ce que c'est que cette police de tontons Macoute, cette police C'était une armée, c'était une armée non payée, ils devaient se payer. Non payée. Non, c'était. Et la différence entre la situation actuelle et la situation de Duvalier, les tontons Macoute, c'était un corps qui était organisé à la manière des corps de Mussolini, de Hitler. C'était vraiment une armée. Une milice. Plus qu'une milice, c'était pratiquement une armée qu'il a constituée face à l'armée traditionnelle. Donc c'était pas cette armée c'était pas une folklore
Exercer un pouvoir, c'est écrit noir sur blanc dans le livre, le pouvoir exorbitant des tontons Macoutes. En Haïti, c'est... Ensuite, si j'insistais sur le fait qu'ils n'étaient pas directement payés, c'est qu'ils devaient se payer... Si, c'était structuré. Bon, ils faisaient leurs exactions sur les biens des gens, mais c'était une... Encore, ils étaient même appointés. Oui, bien préparés, bien entraînés en plus. Oui, entraînés, bien sûr. Entraînés aussi, non seulement par certains militaires haïtiens, mais par les Américains. Alors voilà, ça c'est peut-être une chose après... On va peut-être passer, peut-être que le public peut poser des questions. Donc, les Américains sont très importants pour comprendre la carrière de Duvalier. De tout président d'Haïti. Oui, et des Caraïbes et de toute l'hémisphère ouest, de tout président d'Haïti. Donc, on a vu dernièrement là, l'avant-dernier président, avant celui qui a été assassiné, moi j'étais à New York. C'est la CIA qui l'avait mise là. C'est pas la CIA, j'étais à New York, j'ai vu sous CNN, le secrétaire d'État d'Obama, Hillary Clinton, rentre en Haïti, il y avait une élection présidentielle, on était au deuxième tour, c'était Madame Maninga et Jude Célestin, le candidat officiel du président en place. Et Hillary Clinton, secrétaire d'État américain, a enlevé Jude Célestin et a mis Sweet Mickey. Voilà. Au deuxième tour. Oui. Au deuxième tour. Personne n'a rien dit, personne n'a protesté, personne n'a ouvert la porte. Et ça s'est passé, curieusement, sous Obama. Oui, et comme le rappelle, quand même, tout ça, c'est une vieille tradition, puisque l'occupation d'Haïti par les Américains datait déjà d'un certain temps. Ici, il y a un mouvement très intéressant, que nous me présenterons peut-être une autre fois, de 1915 à 1934, c'était l'occupation de fait, factuelle, et après c'était l'occupation, on va dire, informelle. Non, l'occupation intérieure, c'est-à-dire ils ont créé une armée qui a gouverné le pays, Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, lui, il doit évidemment son arrivée au pouvoir à, au minimum, une approbation de l'oncle Sam. Et à partir de là, il met en place ses tontons Macoutes. Tu nous as expliqué qu'il avait des déterminations complètement névrosées, on peut dire aussi. Ah, c'est pas moi. Moi, j'ai pas inventé Duvalier. Non, mais je dis pas que tu l'as inventé. Tu nous expliques dans le livre que, pour le coup, on nous parle de dictateurs qui sont fous, méchants, etc., et qui expliquent tout ce qu'ils font. C'est généralement faux. En revanche, là, nous sommes chez un vrai fasciste, et lui, il y a vraiment quelque chose de très particulier, typiquement bourgeoisie haïtienne, comme tu as dit, mystique au sens du vaudou et du mysticisme propre à la culture des Haïtiens. Ça va se traduire comment progressivement, en particulier pour les gens de ta génération, jeunes étudiants haïtiens, tu peux peut-être raconter l'histoire de ton frère, la tienne, brièvement, tu en parles évidemment aussi dans le livre, mais ça donne une petite idée de ce qui se passe à partir des années 60 en particulier. Bon, eh ben, l'histoire de mon frère, c'est très simple. C'était un petit poète. Petit poète, personne très joyeux, qui avait un petit groupe d'amis, qui avait créé une petite association qui s'appelle Ongwenincon. Ongwenincon, c'est dans le vaudou, le chef du cœur de la cérémonie. C'est comme ça, quoi. Ça s'appelle, c'est un mot africain. Bon, il s'occupait de poésie, de théâtre. Alors, en 1960, comme ça se passe souvent en Haïti, les jeunes se réunissent l'un d'entre eux pour bavarder, parce que c'est une ancienne ville coloniale avec une galerie qui donne sur la rue. Ils étaient là, c'était l'été, en septembre. Et ils étaient une quinzaine chez un étudiant qui s'appelle Joroné, et puis la police est arrivée et les a arrêtés. J'avais mes deux frères, qui étaient, l'un était en seconde, l'autre était en rhétorique. C'est comme ça qu'on dit en Haïti, on ne dit pas premier en Haïti, on dit rhétorique. Moi j'étais en philo. Ce qu'on disait jadis en France. Oui, en Haïti jusqu'à présent on dit rhétorique et philosophie, classe de philosophie. Ils étaient une quinzaine de lycéens, j'avais mes deux petits frères qui étaient là, et puis bon, ils sont... Alors ils arrêtent pourquoi ?
Ils arrêtent pourquoi? Parce qu'ils étaient là réunis à bavarder. C'est comme ça, puisque toi, tu parles tout de fascisme. Ils étaient là en train de bavarder pour les gens du pouvoir et des jeunes qui se réunissent, même sur une galerie publiquement où tout le monde les voit, ne peuvent faire quelque chose et atteinte à la sûreté de l'État. C'est comme ça qu'ils disent ça là-bas. Et ces gars se sont retrouvés en prison, on les a battus. Alors la tradition dans le pays en général et sous Duvalier en particulier, lorsque tu as été en prison une fois, chaque fois qu'il y a un événement, on t'arrête, tu es censé faire partie. Et c'est ainsi qu'il y a eu une invasion venant de la République dominicaine contre, dans la partie sud des Haïti. Et bon, le gouvernement a arrêté tous ceux qui sont censés avoir une pensée ou tous ceux qui sont contre le gouvernement, surtout des professeurs. Et puis bon, c'est comme ça. Ouais. Bon, ils ont débarqué chez ma mère. Et malheureusement, mon frère était là. Moi, je n'étais pas là parce que, comme tu parles de... On parle de 1600 en Haïti, c'est assez curieux. Bon, les Blancs ont leur manière de penser les problèmes de façon rationnelle, tradition cartésienne et le reste. Tandis que dans d'autres sociétés, il y a d'autres voies de connaissance. Toujours est-il que j'étais là un jour et des gens sont venus dire à ma mère, dites à vos garçons de ne pas rester là parce que sinon leurs jours sont comptés. Et j'étais là, j'ai entendu ça, mais j'étais un communiste pur et dur à l'époque. Mais en Haïti, ça ne veut rien dire, communiste pur et dur, quand tu vis dans un milieu culturel. Donc, je suis parti dans le quartier, ni passé chez ma mère. Mais le dimanche, ça s'est passé dans la semaine, le dimanche, j'avais rendez-vous avec des amis pour aller faire une réunion politique dans une petite plage où on allait dans la mer. On faisait nos réunions politiques dans la mer, comme ça on est très loin de l'indiscrétion des gens, on était dans l'eau. Et puis là où j'étais, je me suis levé, c'était un dimanche matin, et j'ai vu que je n'avais pas mon costume de bain. Alors, c'était à une demi-heure où habitait ma mère, à pied. Et je suis allé, c'était une petite, ça s'appelle corridor en Haïti. C'est une cour, et ma mère habitait au fond. Et puis, je vois tous les gens de la cour debout, comme on dit en Haïti, main à mâchoire. La main à la mâchoire, il était 7h du matin, dimanche, c'était 12 juillet. Et puis, ils me regardent, sur deux rangées. Personne ne me dit rien. Arrivé à la dernière maison, je devrais faire un petit tour, il y a une dame, qui s'appelle Madame David, qui m'a dit, Gérard Petit, pas arrêter. Gérard, mon enfant, ne reste pas. Je rentre chez ma mère, je prends mon costume. Tu avais quel âge? Oh, 23, 24 ans. Je rentre chez ma mère, je prends mon costume de bain, et je suis ressorti, les gens sur deux rangées. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est un petit corridor, il n'y a pas d'adresse. C'est une sorte de bidonville dans la ville. Il n'y a pas d'adresse. Donc, le samedi 11-12 juillet, pour dimanche, il y a le capitaine Gérard, lui, qui est arrivé avec un camion, une trentaine, c'était bien une trentaine, de tonton Marco et des militaires. Il n'y avait pas d'adresse. 2h du matin, ils ont réveillé tous les gens de la cour, ils les ont battus, parce que les gens ne savaient pas de quoi il s'agit. Les gens voyaient les macoutes dans la rue, mais cette fois-ci, les macoutes étaient en train de les réveiller. Donc quand ils me voient arriver le matin, ils ont vu un fantôme. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Comment se fait-il qu'il n'a pas été arrêté? Et voilà, ça se passait comme ça. Mais il faut vous dire que cette année-là, le sous-secrétaire d'État de l'Intérieur de François Duvalier, c'est Michel Aubou, c'est un parent. Donc, Roger était là, je ne sais pas pourquoi lui il était resté, parce que il savait que quelqu'un avait dit qu'on va venir nous arrêter, mais la personne qui avait dit, il n'était pas dans les,
dans les serrailles du gouvernement, c'est tout simplement de quelqu'un qui était possédé par un esprit qu'on appelle le Mambo, dont Roger donnait des leçons à son petit-neveu qui l'aimait bien et qui a vu dans sa boule de cristal qu'on va venir... Pourquoi Roger et ses proches, éventuellement, Roger, disait ton frère, donc a été, malgré tout, c'est pas parce qu'il se baladait par là dans la rue. Non, c'est à 2h du matin. Il y avait une raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de prétexte. Pourquoi il y avait un prétexte? Pourquoi lui? Mais ce soir-là, on a arrêté des dizaines et des dizaines de personnes. Je te dis, c'est pas spécialement lui. Non, c'est parce qu'il y avait une invasion dans le sud-est du pays. C'est raconté dans le livre, c'est ceux qui s'appellent les Camoquins de Fred Baptiste. À l'époque, quand il y a des invasions comme ça, c'est-à-dire des gens qui viennent, des groupes armés qui viennent de la frontière de la République dominicaine pour se battre avec Duvalier et le renverser, eh bien, par précaution, le gouvernement du Duvalier ramasse tous ceux qui sont susceptibles d'adhérer ou d'aller rejoindre ces gens-là. Une rafle. Oui, une vraie rafle, comme les rafles des nazis. On arrête tout le monde. De toute façon, il n'a pas besoin qu'il y ait une invasion pour faire des rafles. À titre préventif. Il le fait. Bon, moi j'étais... Par exemple, je raconte dans un autre livre, notre oncle, là, Michel Aubou. C'est pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas mon diplôme de la faculté d'ethnologie. J'étais en troisième année de faculté d'ethnologie. On avait arrêté des amis en particulier, des gens que je connaissais, des gens avec lesquels j'ai milité, des gens qui étaient à l'école normale avec moi. Duvalier avait fermé l'école normale. Et puis moi, en principe, j'avais pour principe à l'époque, j'étais toujours prudent, je prenais pas de risques. Mais je ne restais pas dans mon quartier, à la rue des Cazennes ou dans les environs. Je vais dormir chez des amis. Mais je continuais à aller à mes activités. Eh bien, je suis allé à mon cours de la faculté d'ethnologie. J'étais assis. J'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle est magnifique. Alors, au milieu de deux jeunes filles de 18 ans, Evelyne Nonez et Michel Alcindor. Deux belles filles, 18 ans. De toute façon, à l'époque, dans cette classe-là, il y avait surtout une grande majorité de filles. J'étais assis à côté, au milieu de ces deux demoiselles qui étaient mes amies. Et puis le professeur rentre, c'était Michel Aubou. Il s'assied, il ouvre son marocain et il sort un 45. Alors, je ne vais pas vous dire. Oui. Dans la semaine, c'était dans la période carnaval. Duvalier avait fermé l'école normale supérieure. Il avait arrêté beaucoup de jeunes, dont certains. C'est un camarade avec lequel j'ai milité. Et il est professeur à la faculté d'ethnologie et professeur à l'école normale supérieure aussi. Et il est sous-secrétaire d'État de l'Intérieur. Mais il sort avec un revolver. C'est pas qu'il sort avec un revolver, il est sous-secrétaire d'État de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, de Duvalier. Et alors il ouvre son marocain pour sortir ses notes de cours. Et puis en plus, je crois que le titre de son cours, c'était « La civilisation des Sibonais », une civilisation morte. Mais il sort, c'est 45. Et alors, inutile de vous dire que j'ai tout de suite regardé à la porte de sortie. Oui. Mais son bureau était à côté de la porte. Alors, j'ai vissé mon derrière sur la chaise. Bref, je sais pas... Il a essuyé son truc avec son mouchoir et puis il l'a remis dans son truc et il a dit à la classe, excusez-moi. Alors, voilà, je suis sorti, quand il est parti, je suis sorti, je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette faculté et je me suis toujours dit, peut-être qu'il n'a pas tiré parce que j'étais... au milieu de ces deux adolescentes, très très belles filles, très belles filles. C'est quand même un parent à toi, quel était Michel Aubou, bon, en général, oui, c'est un parent, de toute façon, tous les Aubou en Haïti sont parents, parce qu'ils viennent de la même région, et de la même grande ville principale, la ville des Cayes, donc...
tu éludes toujours ce fait que quand même, pour ton frère, donc oui. Victime d'une rafle, mais toi tu t'es visé quand même, parce que tu es communiste. Je t'ai dit, je n'étais pas là ce soir-là. Oui, non, mais dans le cas de l'anecdote que tu viens de nous raconter. Eh bien, dans le cas de l'anecdote, il a sorti son revolver 145. Bon, je ne sais pas pourquoi il l'a remis dans son sac, pourquoi il ne l'a pas tiré dans la classe. Bon, de toute façon... Mais c'est pas là pour nous le raconter. Donc voilà, ça se passait comme ça. Oui. Ça se passe peut-être au moment où il l'a sorti, il a dû changer d'idée, ou il a dû voir, je ne sais pas moi, un frémissement sur le visage de l'une de ses filles, donc, puisque lui aussi, il avait des enfants. Mais c'était le ministre, le ministre d'Intérieur de Duvalier. Ministre. En général, en Haïti, le sous-secrétaire d'État de l'Intérieur, c'est le ministre qui est chargé de conduire la répression du régime. Oui, il y avait du boulot là avec Duvalier. C'est pas Duvalier. Du travail. C'est pas avec Duvalier, c'est une équipe, c'est un groupe, c'est une classe sociale qui a pris le pouvoir et qui a détruit le pays. Parlons de Duvalier. Alors Duvalier et de son ministre de l'Intérieur, qui était donc un parent éloigné à toi. Non, tous les parents ne sont pas éloignés en Haïti, tous les parents sont des parents proches, il suffit que généralement... Enfin, il était proche, mais enfin, apparemment, il y avait une querelle de famille. Il n'y a pas de querelle de famille, parce que les duvalieristes pensent que si tu es duvalieriste, comme il disait pendant la période de la guerre de libération nationale, n'en point maman, n'en point papa, n'en point petite. Il n'y a pas de mère, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de père. Donc tu es duvalieriste, tu es d'abord duvalieriste et tous les autres, c'est des ennemis. Y compris tes propres. Toi-même, tu es ton propre ennemi. D'ailleurs, ils le disent. C'est pas dans ce livre, c'est dans un autre. Ils le disent, c'est des textes. Des discours qui ont été faits au Parlement par les députés qui disent que quand on est duvalieriste, on doit pour être prêt à tuer son père, sa mère. C'est des discours officiels à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas une blague. Bon, je sais pas, il y en a qui ne tremblent pas parce que bon, ils veulent. Je te rassure, en Russie, personne ne tremble. Hein, parce que je connais beaucoup de Russes, je suis très informé. Tu es un apparatchik. Mais plus tu nous expliques ce qu'a été quand même quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre que ce que tu nous décris de la dictature du valérisme et de son fascisme. C'est pas ça ressemble à toutes les dictatures puisque ça assassine, ça tue. Toutes les dictatures tuent, assassinent. Ça, pareil. Et les gens se retrouvent six pieds sous terre. Une dictature fasciste, en tout cas, c'est clair. La différence pour Duvalier, c'est que c'était le mystique, parce que le mystique de Duvalier, c'est que Duvalier, c'était un magicien, c'était un grand magicien, c'était un grand initié, qui lui-même l'a dit dans ses discours. Et je crois que c'est dans ce livre, il avait l'idée de brûler Port-au-Prince pour son plaisir. Et il disait dans son discours, et on brûlera, si je vous demande de brûler cette ville, vous allez le brûler, que d'ici aux Bermudes, on verra les flammes. Ou bien son médecin, le docteur Jacques Foucan, avait menacé les Haïtiens d'en faire un Himalaya de cadavres. C'est-à-dire, si vous protestez contre Duvalier, voilà, on va tous vous tuer, on va tous vous brûler. Et c'était pas de la blague, c'était une réalité quotidienne. On tuait les gens comme ça dans... La particularité quand même forte, la spécificité du fascisme haïtien, en dehors des aspects mystiques que tu as évoqués, c'est quand même qu'il s'exerçait, mais de manière terrifiante, sur sa population. Il n'y avait pas d'ennemis extérieurs en dehors du contexte que tu as évoqué avec le voisin. L'ennemi intérieur, c'est déjà un ennemi beaucoup plus redoutable pour ces gens-là que l'ennemi extérieur. L'ennemi intérieur. Parce que c'est des gens qui massacrent leur propre famille. Il n'y a pas seulement les 300 têtes dont il a besoin pour son usage privé, c'est beaucoup plus large, et il a vraiment une armée d'assassins, les tontons m'écoutent. Oui, quelques 300 à 400 000 personnes armées. On
pourrais parler des circonstances qui ont fait que tu as quitté Haïti, que après bien des péripéties, mais que c'est, tu raconteras peut-être dans un autre livre, ou que tu as peut-être déjà raconté dans un autre livre, qui vont faire que tu vas te retrouver comme exilé. Après, ah non, moi je n'ai pas exilé, moi j'ai été nommé par l'Union nationale des étudiants haïtiens. Voilà, tu vas te retrouver exilé. C'était pas du tout l'idée de base. Non, je ne suis pas un exilé. Mais le point important, c'est que tu échappes. Ah, quand même. J'ai pas échappé. Voilà, non, raconte, j'ai pas voulu échapper. Non, mais tu as échappé, mais sans le vouloir. Non. Bon, si tu veux parler ainsi, parce que moi j'étais un militant, alors pour te le dire, quand on militait en Haïti à cette époque, dans notre tête, c'était ça la formule, notre vie est secondaire, la révolution est principale. Je crois, au début des années 60. Che Guevara a dit ça. Oui, notre manière, le devoir de tout révolutionnaire est de faire la révolution, donc on ne pensait pas à sa vie. Voilà. Mais tu es donc nommé, élu. Non, j'ai été nommé par l'Union nationale des étudiants haïtiens, délégué au comité exécutif de l'UE. L'UE, c'est l'Union internationale des étudiants du bloc soviétique, dont le siège était à Prague. On est là en 1966. Voilà. Donc, tu es envoyé en mission au titre de ta fonction, jusqu'en Chine. En Chine, oui, bon, j'ai pas pu m'installer à Prague parce que j'étais en Chine. Normalement, parce que tu devais aller à Prague. Je suis nommé à Prague, mais arrivé ici, j'ai fait un détour en Chine quand je suis revenu de Chine populaire. En pleine révolution culturelle. Oui. Tu as vu quelques-unes de ces photos. Oui, je l'ai vu. Elles valent le coup. J'ai pas pu aller à Prague parce que à l'époque, bon, pour les pro-soviétiques, pour les soviétiques, j'étais un pro-chinois, un personnage dangereux. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvé en exil à Paris parce que à Pékin, on m'a amené les gens qui m'accompagnaient dans mes différentes activités à Pékin. M'ont amené à l'ambassade de Tchécoslovaquie à l'époque. J'ai rencontré l'ambassadeur, il m'a dit « Camarade, il n'y a pas de problème. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, une délégation va venir vous chercher et vous allez occuper votre fonction. » J'arrive à Prague, l'avion de l'air, et au lieu de venir me chercher, on m'a mis dans l'avion qui rentrait en France. C'est ainsi que je me suis retrouvé en France. Je n'étais pas venu pour habiter à la France. Moi, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. À ce moment-là, ton frère avait déjà été liquidé. Ah oui, ben bien sûr, depuis longtemps. Quand je suis parti après l'assassinat de mon frère à Fort-Dimanche. D'accord. Et donc, tu n'es plus retourné après En général, tous ceux qui retournent en Haïti après un départ, même si tu n'as pas été dans un pays dit communiste, tu es avec 80% d'être fusillé à l'aéroport même. Oui. C'est comme ça que ça se passait. Bonne ambiance. Et ce n'est pas seulement la milice et la police du Duvalier qui s'occupaient de ça, c'était surtout la CIA. Parce que lorsque tu sortais, c'est pas seulement pour les Haïtiens, puisque tu dois avoir des livres ici qui parlent de ça, c'est tous les Latino-Américains qui rentraient dans leur pays après avoir fait un bref séjour dans n'importe quel pays du bloc de l'Est, ils arrivaient chez eux, ils étaient fusillés. Ça, c'est connu. C'est le cas général. C'est connu, mais non, c'est pas connu de la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo. Donc, c'est très bien que tu évoques. Oui, c'est connu. Là, on est à la fin des années 60. Ma dernière question, c'est... Duvalier, ça se termine à sa mort, mais il y a le baby doc qui va... Le Duvalier risque de continuer jusqu'à aujourd'hui encore en Haïti. Et le duvalierisme continue, mais bon, officiellement, il n'y a plus d'héritiers. Ah si, les héritiers sont là, puisqu'ils gouvernent. C'est ceux qui gouvernent. C'est ceux qui gouvernent, voilà. Et Duvalier, n'est plus là en 86, mais qui gouverne? C'est le général Henri Nafi. C'est le général Henri Nafi qui gouverne, et les gens qui gouvernent avec lui, ce sont des militaires, c'était des officiers du Valéry, Oui, l'épisode Aristide. Bon, Aristide, c'est déjà une autre affaire, mais Aristide a fait pire que Duvalier, sûr. Rappelle-moi, c'est quelle année exactement? Aristide, c'est 91, parce qu'Aristide, c'est pire, parce qu'Aristide, c'était un curé. Oui.
Alors là, quand un prêtre devient président, c'est pire que le pape. C'est pire que le vaudou. Il était lui aussi, oui. Il avait les deux cultures. Oui. C'est très les deux spiritualités. Oui, c'est très syncrétique. Non, j'aime pas le mot syncrétique. Bon, écuménique, si tu préfères. Il avait les idées larges, de ce point de vue-là, en tout cas. C'est sa structure, ouais. C'est son essence, c'est son histoire, c'est sa conscience. C'est-à-dire ce qui fait, les principes qui gouvernent sa vie quotidienne. Il a fait pire que Duvalier, mais c'est quand même le clan Duvalier qui est revenu aux affaires d'une manière ou d'une autre et qui tire les ficelles. De toute façon, la classe dominante est toujours là, hein. C'est là que je voulais en venir. Donc, tu as la classe dominante est toujours là. C'est un pur produit de la bourgeoisie nationale locale. C'est toujours cette bourgeoisie qui, en dépit de l'état de misère entretenu notamment par cette bourgeoisie... Misère, oui, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a des milliards qui circulent dans ce pays. Je parle de la population. Si, puisque tu parles de vidéo, je ne sais pas si tu as vu une vidéo que le commandant Cousteau avait fait sur Haïti quelques années avant sa mort. Oui, il avait très bien expliqué ça. La drogue vient de la Colombie et de l'Amérique latine, passe par Haïti, rentre en République dominicaine. Quelques 12 milliards de dollars par an. L'essentiel de la population haïtienne ne voit absolument pas... Il y a quelques retombées, mais il y a un petit groupe dominant, comme ce qu'on avait appelé... C'est la base de l'économie actuelle, ça? Actuellement, oui, ça doit être la base. Ça fait combien de temps que ça dure? Ben, ça dure depuis qu'on fabrique de la drogue. Oui. Et que Haïti est si proche des États-Unis. Une bonne proportion de la drogue consommée aux États-Unis. Le circuit, Haïti, République dominicaine, Porto Rico et États-Unis. Voilà. Donc sinon, pourquoi? Je te signale peut-être que tu ne le sais pas. Que Hillary Clinton et Bill Clinton ont fait leur lune de miel en Haïti. Oui. Et que c'est dans les années 70. Ils ont leur propriété, leurs biens en Haïti, ils vont régulièrement. Et puis, il n'y a pas longtemps encore, Bill Clinton était haut commissaire de l'ONU pour Haïti. Il y a un film fait par le cinéaste Raoul Peck qui s'appelle Assistance mortelle, où l'on voit Bill Clinton en pleine discussion assez violente avec le président qui était là à l'époque, qu'ils avaient mis René Préval. Donc c'est leur pays. Quand Hillary Clinton, en février 2011, dans une élection au deuxième tour en Haïti, rentre, moi je l'ai vu sur CNN, j'étais à New York. Rentre et deuxième tour remplace le candidat officiel du président Jude Célestin mais Sweet Mickey, le rapport, un peu ton Zolomir Zelensky. Mais c'est celui qui s'est fait liquider là dernièrement. Non, c'est celui qui l'a mis, mais lui il se propose de revenir au pouvoir. Sweet Mickey, c'est un rappeur, je crois, ou un. Un troubadour, ça. Mais très populaire, très, très, très populaire. Il est très populaire. Et alors, pour te raconter une histoire, c'est une histoire très simple de Sweet Mickey. Je suis à New York à ce moment-là. J'ai mon copain qui est un psychiatre, Leslie Antoine. Il me dit, Gérard, j'étais chez lui pour dîner. Il me dit, Gérard, est-ce que tu crois qu'ils vont mettre Sweet Mickey président? J'ai dit, mais Leslie, t'as bien vu, Hillary Clinton est rentrée en Haïti. Elle a remplacé Jude Célestin par Sweet Mickey. Il dit, tu sais, j'étais dans un bal de l'orchestre de Sweet Mickey à New York avec ma femme. Ma femme est mexicaine, elle est docteur en psychologie. À un certain moment donné, et la musique chauffait, Sweet Mickey descend son pantalon, descend son caleçon et monte son cul au public. Je n'ai pas cru cette histoire. Je viens ici, je téléphone à ce monsieur Jacques Goug. Il est là. C'est toi, Jacques Goug? J'ai dit, Jacques, toi qui vas souvent à New York, voilà une histoire qu'on m'a racontée. C'est quoi ça? Il me dit, mais tout le monde sait que Sweet Mickey a un guitariste. Non, et... non. C'est pas un guitariste. Vas-y. Bon, en tout cas, l'un des musiciens, quand il pousse une note,
Bon, et bien... Il le fait systématiquement. C'est bon, voilà. Donc, il le fait quand il le faisait déjà au secondaire. Alors, bon. Au secondaire, au lycée. Tu demanderas à Jean-Marie Théodat qui a de sa promotion. Il le faisait... Non, c'était pas au lycée, c'était à Saint-Louis-de-Gonzague. Il le faisait déjà. Donc, c'est pas... le fait, Saint-Louis-de-Gonzague. Voilà. Il descend son pantalon, et, donc, il devient président, il continue la même chose. Et c'est ce type-là qu'Hillary Clinton a mis président d'Haïti. Mais actuellement... C'est avant celui qui a été assassiné. Celui qui a mis celui qui était assassiné. Oui, c'était carrément le trafiquant. Oh bon, ils sont tous des trafiquants, tous les présidents d'Haïti. Tu connais un président qui n'est pas dans un trafic? Ou soit un trafic financier, ou je ne sais pas moi, avec des banquiers. Ou... De toute façon, c'est la source. Faut que je fasse gaffe, tu sais, en bon stalinien, je suis dans le collimateur en ce moment. Oui, donc oui, allez-y. Il y a quand même un point que Gérard devrait expliquer. C'est le fait, il a affirmé que Duvalier est un produit de la bourgeoisie haïtienne. Oui, vous n'êtes pas d'accord. J'aimerais qu'il explique ce qu'il veut dire par là. Bon, il est un produit. Qu'est-ce que ça veut dire être un produit de la bourgeoisie haïtienne? Lorsque je pense à Macron, je me suis dit, mais quand même, il est passé comme nous, dans les livres. Il est inspecteur des finances, c'est pas rien. Moi, je respecte ça. Quelqu'un qui est inspecteur des finances, de toute façon, il a bossé ses maths et ses statistiques. Et quand tu arrives à ce stade, il y a plusieurs auteurs. Tu peux, à un certain moment donné, décider d'être bon, c'est-à-dire du côté de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est le président des riches. Donc, il est du côté de la minorité. Pourquoi il n'a pas choisi ce côté-là, c'est-à-dire le bien? Il a choisi le côté mal. Alors, ça veut dire que, formé par la bourgeoisie, et ce monsieur Guidi Gérard doit l'expliquer, il sait très bien que lorsqu'on fait des études dans tous les pays du monde, tu es, comme on dit, formaté. On te prépare à devenir, surtout ceux qui vont franchir le seuil, surtout en Haïti, un pays à 80% d'analphabètes, tu franchis le seuil du baccalauréat, et le baccalauréat haïtien, c'est comme ici, hein, parce que lorsque je passe mon bac, on me dit, commenter cette opinion. L'habitude est une seconde nature. C'est le même sujet qu'on donne ici aux autres. Donc, on reçoit la même formation. On nous prépare à devenir. Par exemple, nos parents, quand ils découvrent qu'on milite contre le gouvernement, ils nous disent, on ne t'avait pas envoyé à l'école pour ça. On ne t'avait pas envoyé à l'école pour ça. Alors, ça veut dire, on nous a envoyé à l'école pour être un homme du système. Alors, comment on fabrique un homme du système? Eh bien, on lui fait toutes sortes, à travers son parcours quotidien dans la vie, on lui fait miroiter dans les yeux, voilà, si tu restes comme ça, si tu fais ça, eh bien, voilà, c'est comme la tentation du Christ. Et lorsque le Christ s'est retrouvé face à son tentateur qui lui dit, voilà, si tu m'obéis, voilà, tu auras toutes les richesses du monde, tu auras une belle femme. Moi, j'étais dans une école, l'école normale supérieure. Les filles, les jeunes filles d'Haïti, de Port-au-Prince, les belles, eh bien, si tu leur dis, un étudiant de l'école normale supérieure se présente dans la famille, pas celui-là. Elle s'est dit, avec celui-là, on va marcher en main devant, en main derrière. C'est-à-dire, une main devant. Pourquoi une main derrière? Pourquoi? Parce que s'il est dans cette école, c'est un communiste. Avec un communiste, on n'aura absolument rien. On va avoir une vie de misère, des tracas avec la police, avec ces gens-là. Donc, par conséquent, pas de communiste. Oui. Voilà. Donc, ce qui signifie, on est formé, on a le choix. On a le choix de devenir celui qui veut continuer à faire fonctionner le système tel quel, et ou bien celui qui va s'opposer, ce qu'on appelle généralement, dans la langue ordinaire, la brebis galeuse. Mais c'est ça, Duvalier, lui, il a été formé par la bourgeoisie,
dans le sens que, bon, il est un médecin, il a fait des études de médecine, il a travaillé dans le service médical américain, c'était un professionnel du service médical américain, on lui a préparé, on lui a mis les idées dans la tête, on lui a fait comprendre que c'est cette voie-là qu'il doit prendre et pas celle-là, donc voilà. Donc, Oui, tu nous fais tout simplement, mais tu as eu l'honnêteté, la franchise, mais ici tu savais que tu pouvais le dire très franchement, de nous dire que tu étais communiste et même révolutionnaire. Oui, bon. Et toujours. Et donc c'est une analyse de classe, oui, la réponse est en fait assez simple. Communiste. C'est banal pour nous communistes, mais évidemment, c'est le pur produit, c'est pur produit de sa classe, il défend ses intérêts de classe. Et c'est la classe dominante, tout simplement. C'est que vous avez vous-même évoqué le racisme en Haïti. Oui. En disant qu'il était inhérent à l'histoire d'Haïti, avec toute une gamme de nuances, de peau, etc. 24. Et est-ce que une des clés d'explication de l'arrivée au pouvoir de Duvalier, ce n'est pas l'exploitation d'une certaine forme de racisme, parce qu'on dit qu'il a développé une conception noiriste qui lui a permis d'asseoir sur son pouvoir sur une partie de la population. Le culturalisme dont tu parles au début du livre. Le noiriste, c'est expliqué. J'ai repris les thèses du noirisme dans l'histoire d'Haïti. C'est quoi? C'est pendant toute une période, les gens qui dirigeaient le pays, qui avaient tous les privilèges, c'était des gens à peau claire. Et ça, c'est une tradition de la société coloniale esclavagiste. Et alors, les gens de couleur un peu sombre, noirs, qui sont comme Duvalier, qui ont fait des études, ont été écartés pendant un certain temps. Donc, ils ont créé des associations, ils ont créé des groupes, en particulier qu'on appelle le noirisme. C'était une manière, une façon de se défendre et de s'organiser. Et effectivement, ils ont pris le pouvoir en 1946. La preuve, c'est qu'il y a un livre qui est écrit en 1976, qui s'appelle « 30 ans de pouvoir ». Ils sont arrivés à prendre le pouvoir. Et Duvalier était dans ce groupe qui a créé leur journal, et je crois que c'est aux environs de 1937 par là, et qui de 1937 jusqu'à 1957 ont milité jusqu'à ce qu'ils ont pris le pouvoir avec Duvalier. Voilà, c'est comme ça. C'est actuellement en Haïti, il y a des groupes qui occupent des parties du territoire qu'on appelle des bandits ou bien je ne sais pas quoi, mais pour moi c'est pas des bandits, c'est des gens qui ont des laissés pour compte et qui à un certain moment donné, dans le vide du pouvoir, ils sont armés, ils ont des armes, ils occupent des parties du territoire. La lutte des classes continue sous cette forme de banditisme. Et bien en plus, ce qu'on appelle le banditisme, pour moi, c'est une qualification. Parce que les bandits, c'est quoi? Les bandits, c'est des groupes organisés. On peut appeler ça mafia, on peut appeler ça... Il se peut bien qu'un jour, un groupe de mafia prenne le pouvoir. En Amérique latine, c'est courant, des groupes de mafia prennent le pouvoir. Actuellement, c'est ce qui se passe au Mexique, un peu partout. Ils prennent le pouvoir politique, militaire... Et parfois, ils n'ont pas le pouvoir politique et militaire comme n'importe quel groupe. Ils sont là, ils se préparent, ils s'organisent. Mais on appelle ça le mafia, c'est pas le mafia. Le point important, c'est qu'ils sont quand même toujours là, in fine, pour servir les intérêts de la même classe sociale dominante, en définitive. Servir les intérêts de la classe sociale dominante, c'est pas une essence, c'est des gens. À un certain moment donné, ils deviennent eux-mêmes ces gens-là, quand ils prennent le pouvoir. Est-ce qu'il y a un parti communiste à Haïti, aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a rien. Mais avant, du temps de ma... Il n'y a pas de parti communiste en Haïti. Il faut lire le livre. Non, mais tu penses qu'il y a aussi, tu penses qu'il y a une parti communiste? Pardon? Il y a plusieurs groupes, mais communiste, c'est très clair, ça veut dire quelque chose de bien précis. N'importe quel groupe n'est pas communiste. S'il y avait un groupe communiste en Haïti, on l'aurait su. Même clandestin, on l'aurait su. Mais comment ça, c'est qui on? Ici. On.
Mais Gérard, tu ne peux pas dire ça comme ça. Alors il y a donc des groupes clandestins communistes. Ils ne sont pas forcément clandestins. Il y en a qui sont. Il y a des gens. Il y a des groupes qui se disent ouvertement socialistes. À Caro, par exemple. Oui, mais socialiste, non, mais, c'est pas communiste. Non, du attendez, tout. Attendez. C'est pas la même chose. Non mais sauf que ces catégories-là mériteraient quand même quelques définitions. Définition qu'on n'a pas là pour le moment. Vous voyez, Gérard, je reviens sur Duvalier bourgeois. C'est la première fois que j'entends ça. Première fois que j'entends quelqu'un, un intellectuel haïtien, qui définit Duvalier comme étant un bourgeois. Pourtant, qui ça a semble été... assez évident. Mais non, c'est pas évident du tout. C'est un médecin. Alors, quoi, dès qu'on est médecin, bourgeois. On est bourgeois. Duvalier. Sa classe, c'est la classe bourgeoise. Je veux dire, ça paraît difficile de dire le contraire. Sûrement pas. Bah, c'est quoi, là ? Duvalier est un petit bourgeois classique. Mais c'est pas un bourgeois. Mais c'est ce qu'on veut dire. C'est... Oui, d'accord. Non, mais attendez. Si on est bourgeois, si on est un petit bourgeois, on n'est pas un bourgeois. D'accord ? Bon, ça, c'est une première chose. Classe moyenne, si vous préférez. Exact. Bon, d'ailleurs, lui, il se définissait comme classe moyenne, la montée des classes moyennes. Oui. Et c'est pas un bourgeois. Et c'est ce qui s'est passé en 1946. Enfin, on croit qu'on pourrait discuter longuement là-dessus. Mais moi, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Et ça m'intéresse de savoir comment on peut comprendre Duvalier comme étant quelqu'un qui serait défini comme un bourgeois. Bon, ça, pour moi, c'est absolument étonnant. Ça, c'est une première chose. La réponse est très simple. Regardez Hollande. Il est quoi ? Regardez Macron. Non. Qu'est-ce qu'il est ? Duvalier. C'est pas un bourgeois pour vous. Non. Bon, je ne veux pas parler de Hollande ni de Macron. Je veux parler ici de Duvalier parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors. Attendez, juste un point. Duvalier lui-même, n'est-ce pas, a écrit un bouquin qui s'appelle Le problème des classes dans l'histoire d'Haïti. Oui. Duvalier se voit, lui, comme un individu de classe moyenne. Il a toujours défendu cette idée de la classe moyenne en Haïti. Oui. Il a écrit là-dessus lui-même. Duvalier ne s'est jamais présenté comme un bourgeois, il ne s'est jamais conçu lui-même comme bourgeois, et ses partisans, ceux qui ont pris le pouvoir avec lui, ne se sont jamais vus comme des bourgeois. Attention, ça c'est très important. Second point. Ça s'appelle la conscience de classe, mais c'est la conscience de classe du petit bourgeois, de la classe moyenne. Mais il sert les intérêts des intérêts. Ça c'est autre chose. Servir les intérêts, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, hein. Maintenant, Gérard, lui, il a cette idée, et moi, j'aimerais comprendre. Probablement parce qu'il est communiste et pas vous. Ça n'a rien à voir. Ben si, pourtant. Mais dans ce cas-là, si je suis chrétien, quelqu'un qui serait chrétien, il définirait à partir de sa chrétienté un certain nombre de choses, et quelqu'un qui ne le serait pas, n'est-ce pas, ne pouvait pas comprendre de quoi il parle. C'est exactement ce qui se passe. Un chrétien va croire toutes sortes de choses que quelqu'un qui ne l'est pas ne croit pas du tout. Dans ce cas-là, la discussion n'est pas possible. Aucune discussion n'est possible. Pourtant, on ne peut discuter à l'intérieur qu'à l'intérieur d'un certain nombre de bulles, et puis il n'y a pas de liaison possible. Il vient de vous expliquer pourquoi il considère que c'est un bourgeois. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a un monsieur qui est là derrière. Je suis absolument sûr que lui non plus, il n'est pas d'accord. La question, c'est Elliot. Pas d'être d'accord ou pas d'accord. Il vous a expliqué. Je l'interpelle. Il vous a expliqué pourquoi Elliot, il considère que c'est un bourgeois. Elliot, tu es d'accord avec lui ? Laissez Elliot tranquille. Voilà. Okay. Non, justement. Je te réponds. Une minute. Il est impossible qu'Elliot soit d'accord avec lui. Bon, Elliot, s'il le veut, dira ce qu'il en pense tout à l'heure. Mais tu réponds. D'accord. Et puisque tu parles de théorie, je te signale que Marx a défini très clairement ce qu'on entend par bourgeois, ce sont des possesseurs de moyenne production de capital, mais depuis les années 60, Pierre Bourdieu a ajouté une... Oui, mais là on n'est plus chez Marx. Une remarque, je dis Pierre Bourdieu a ajouté. Oui, mais a c'est... Ajouté, c'est, a ajouté c'est, une note supplémentaire. C'est mal barré avec Bourdieu. C'est mal barré. En distinct. Capital symbolique, capital social, capital financier. Duvalier certainement n'a pas eu le capital financier, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu le capital social, le capital symbolique, parce que le capital symbolique,
c'est les diplômes. Moi, je considère qu'on devient un bourgeois dans un pays comme Haïti à partir du moment où l'on a son bac. On a le capital symbolique et avec son baccalauréat, on va pouvoir entrer à l'université et on peut devenir, si on choisit, on peut devenir de s'enrichir. Moi, combien de fois j'ai mes propres amis qui étaient au pouvoir, qui m'ont proposé toutes les postes qu'ils voulaient que je m'enrichisse, je n'ai pas accepté. Donc, le capital symbolique, c'est-à-dire cet instrument fondable qui est beaucoup plus puissant que le capital financier, capital intellectuel, tu as les diplômes, il est médecin, il est vraiment... Il y a des gens qui croient qu'il n'est pas médecin, il a vraiment fait ses 6 années d'études secondaires, et il est médecin dans un pays à l'époque où il est diplômé de la faculté de médecine en 1930, il ne doit pas y avoir 10% d'Haïtiens qui sont alphabétisés. Alors, si ce n'est pas un bourgeois, vous allez me dire ce que c'est. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a des moyens, c'est quelqu'un qui dispose des moyens. De moyens, qui peut, d'ailleurs, il va recevoir une bourse pour aller étudier aux États-Unis. N'importe qui ne dispose pas de moyens pour aller étudier dans une université étrangère. Bon, maintenant, si vous avez une définition restrictive de la bourgeoisie parce que tu restes conditionné par les théories traditionnelles, c'est pas mon point de vue, Mon point de vue, c'est que je suis absolument d'accord avec Pierre Boudieu. Capital symbolique, capital social, capital financier. Oui, mais il n'y a pas besoin d'être d'accord avec Bourdieu. Et le Marx, comme tu l'as rappelé, catégorise strictement les rapports de classe. Ce n'est pas pour dire d'ailleurs qu'il y a des bons ou des mauvais, qu'il y a le bien ou le mal. Il y a des intérêts de classe objectifs. La classe à laquelle appartient Duvalier, c'est clairement la bourgeoisie, c'est la petite bourgeoisie, c'est la classe moyenne. Mais la classe moyenne, c'est absolument pas le prolétariat, c'est pas le peuple, c'est pas les exploités. C'est pas les masses, quand même. C'est pas les masses. Il faut être clair. Est-ce que Duvalier n'est pas un bourgeois juste parce que simplement il fonctionne avec les banques, il fonctionne avec les investisseurs privés et il rend service aux investisseurs privés? Et les Américains. Parlons clairement de lutte des classes où c'est un homme qui fait alliance avec la classe dominante, c'est-à-dire l'oligarchie, et qui est au service de l'oligarchie. Donc à partir de ce moment-là, il épouse son idéologie, donc ça devient un bourgeois. Mais non, même. On ne peut pas dire ça comme ça. On n'est pas un bourgeois simplement parce qu'on sert la classe dominante. Non, mais non, on sert la classe dominante parce qu'on est bourgeois et que la bourgeoisie est dominante. Bon, c'est beaucoup plus simple que ça. Actuellement, les gangs en Haïti sont accusés de servir la classe dominante. Alors, sur eux aussi... Marx donne une très bonne définition. Attends, ça s'appelle le lumpen prolétariat. Ces définitions sont plus vraies que jamais, et singulièrement dans le cas haïtien. Vous avez un bel exemple de ce que je pourrais vous donner la définition du lumpen prolétariat, ça correspond exactement à vos gangs haïtiens. Dans ce cas-là, Macron, n'est-ce pas, avant de servir, avant d'être à la banque, il était un lumpen petit bourgeois. Non, pas du tout. Mais bien sûr que non. Il était fondé pouvoir de banque. Je veux dire, comme disait avant, Marx, les bourgeois, c'est avant, le gouvernement qui a fondé le pouvoir de avant, banque. Macron avant, est l'archétype de avant, ça. Avant, j'ai bien dit, avant de servir. Mais avant, il était étudiant, c'est tout ce qu'il était. Mais Macron, le public a raison, on n'est pas venu pour parler de Macron. Pour éclaircir l'idée que vous faites, qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois, qu'est-ce que c'est que la classe bourgeoise, quel est le rapport de classe dont relève, à l'évidence, je veux dire, c'est une question... Mais dis-lui que toi-même, tu es un bourgeois. Mais bien sûr, moi je suis un petit bourgeois. Petit. Mais bien sûr. C'est pas la même chose. Mais si. Si la bourgeoisie c'était propriétaire de moyens de production, dans ce cas, Duvalier n'est pas un bourgeois. Mais pour moi, il y a un autre point qui m'intéresse. Il est propriétaire de ses moyens de production. Pardon ? Je pense que monsieur dit ça parce qu'il n'est évidemment pas communiste. Il nous a expliqué qu'il était peut-être socialiste. Mais ça, c'est un socialiste. Il n'est ni l'un ni l'autre. D'accord. Donc, lui, il défend la bourgeoisie haïtienne. Qui, moi ? Duvalier est clairement un bourgeois. La deuxième question, Gérard, comment tu es passé de la biographie, parce que
parce qu'au fond, c'est ça qui était le projet initial, n'est-ce pas? Écrire des mémoires. Comment tu es passé de cette écriture mémorielle, hein, de ta... Les interlocuteurs de l'anthropologue français lui a dit « Les Blancs pensent trop ». Et il a donné ce titre à son livre. Or, il faut faire très attention. Quand à la Renaissance, M. Descartes arrive et dit « Il faut nous rendre maîtres et possesseurs du monde ». Donc, alors, termine. Où est-ce à cette histoire? Les blancs pensent trop. Attends une minute. Les Blancs pensent trop. Mais jusqu'au moment... Les Blancs où pensent trop. Oui. Jusqu'au moment où Descartes arrive, nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, quel était l'univers de l'Européen, l'univers quotidien des hommes du Moyen-Âge? C'était le diable et le bon Dieu. Le diable et le bon Dieu étaient là, présents dans leur vie, orientaient leur vie. Et puis, il y a eu la Renaissance. Le monde a changé. On est rentré dans l'univers purement objectif. Mais avant, c'était l'univers subjectif qui dominait. Non, mais c'était ma question. C'est, vous vous dites marxiste, mais finalement, vous ne reconnaissez pas la philosophie matérialiste. C'est bien ça. C'est une idée qui préexiste à la matière. Mais, c'est pas du tout ça qu'il a dit. C'est pas, j'ai pas dit ça. Si, puisqu'il se non, non. Vous avez mal entendu. Bah, si, puisque je suis devant vous. Tu vas lever le malentendu. Si, puisque je suis devant vous, la sagesse devrait vous dire, de me dire, je vais lui demander de préciser sa pensée. Alors, précise. Je viens de dire, je suis un jeune étudiant marxiste, communiste, pur et dur, qui avait en permanence son petit matérialiste dialectique Pulitzer qu'on connaissait par cœur. Mais je suis né en Haïti. J'ai vu dans un quartier en Haïti, dans un univers culturellement dominé par le vaudou. Donc je suis un être contradictoire, monsieur. Eh bien voilà, je suis une contradiction vivante devant vous. En quoi il est strictement marxiste? Donc je ne peux pas être strictement marxiste. Je suis... en tant que contradictoire est assumant comme tel. Oui, là j'essaie de m'assumer. C'est l'héritage hegelien de Marx. J'essaie de m'assumer comme blanc. Voilà. J'essaie de m'assumer réponse. Comme blanc. Et de penser que... trop, donc. Oui, c'est ça. Parce que finalement, si vous regardez bien, il l'a dit, l'homme est un être ondoyant et divers. Je ne fais pas exception à ça. Je suis un être ondoyant et divers. Je peux être, par exemple, il fut un temps, j'avais l'idée d'écrire un livre sur le temps dans les cultures. Et j'avais commencé mes petites lectures et j'avais découvert avec comme surprise que dans certaines communautés africaines, le temps n'existe pas. Le comme temps comme chez Descartes, entre parenthèses, qui ne connaît que la durée. Bon, d'accord. En tout cas, c'est très compliqué. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi on est là, sur la Terre, hein, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on fait là? Comment on est arrivé là? Ça fait déjà depuis des siècles qu'on discute sur ces affaires. Moi, j'ai fait beaucoup de discussions avec des scientifiques qui me disent, écoutez, Gérard, toi, tu crois que la mort n'existe pas. Voilà un problème. En Haïti, la mort n'existe pas. OK. La mort n'existe pas parce que dans le vaudou, on ne meurt pas, on change d'état. On n'est plus sur la Terre, on est dans le cosmos. Et ça, je le répète, à partir des gens qui ont fait l'expérience personnelle de leur propre vie de ça. Mais lorsque j'ai discuté souvent autrefois avec un ami médecin. Il dit, Gérard, écoutez, pour nous médecins, à partir du moment qu'on a fait l'encéphalogramme plat, c'est fini, il n'y a plus rien, le type, il n'est rien. J'ai dit, mais écoute, Timano, tu es là en train de parler avec moi, OK, supposons que tu sors là, une voiture t'écrase, il reste le corps. Le reste qui me parlait, qu'est-ce qu'il devient?
Il n'a pas d'explication. Il reste dans son histoire qu'une fois qu'on a déterminé médicalement, cliniquement que la personne est morte, la personne est morte. Mais ce qu'il animait, ce qu'on appelle en droit l'animus, par opposition au corpus, que devient l'animus? L'âme, tout simplement. Moi, j'ai pour pas... employer les termes de Descartes lui-même. Oui, bon, moi, je n'ai pas d'explication à ça. Mais en tant que personne qui est passée par le filtre spirituel de la formation, de la conscience, de l'historicité de l'individu, je suis bien obligé de reconnaître qu'effectivement, il y a un problème. L'homme est un être ondoyant et divers. Non, mais attendez, voilà. Moi, j'aimerais revenir au bouquin. J'ai une question. Vous citez beaucoup de gens. Oui. Vous avez lu énormément de livres, c'est vrai, énormément. Mais j'ai l'impression que tout ça se fait de manière acritique. Ça veut dire quoi, acritique? Mais ça veut dire, justement, sans critique. Vous prenez tout ce qui est dit de manière littérale. Eh bien, oui. Non, alors... attendez. À comment... Non, mais... Non, mais là, quoi, ta question, je vais répondre. Finissez la question. Finissez votre question. Alors, de manière littérale, en plus, c'est une histoire récente. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des tas de gens qui sont encore vivants. Eliot, qui est là. Et vous citez par exemple... Je l'ai cité, il est cité quelque part dans le livre. Bon, alors, dans la question... La question est la suivante. C'est comment se fait-il qu'à aucun moment, on ne voit pas dans le texte, par exemple, une espèce de retenue. Quelqu'un dit quelque chose, mais on ne voit pas pourquoi. Il n'y a pas de critique. Autocritique, tu veux dire? Non, les témoignages sont donnés comme témoignages, mais sans contradiction. Alors, je fais les mêmes écoles que Jacques. Je ne comprends pas sa question. Je ne comprends pas ta question, mais je réponds quand même. Quand quelqu'un écrit un texte, une dissertation, il n'a pas besoin de dire « moi je dis ceci, moi je dis cela ». Il ne s'agit pas de ça. Mais je t'ai écouté. Tu as cité par exemple que Duvalier était un cannibale. Mais on peut demander. Il y a des tas de gens qui sont vivants, qui ont connu mon Duvalier, qui sont encore là. On pourrait quand même faire une petite recherche pour voir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne mange pas effectivement Là, tu cites des gens qui disent qu'il a fait ça. Mais on peut demander à d'autres. On peut demander à des gens parce qu'il y a encore... Alors, à ce moment-là, à vous de faire la recension et de solliciter les témoignages de tous ces gens. Mais c'est lui qui écrit. Mais c'est lui qui écrit, mais quand même. Il cite ses sources. Il a des sources, il les donne. Mais on ne fait pas de citer des sources. Il suffit de voir est-ce que cela a un sens aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je fais les mêmes écoles, les mêmes dissertations que toi. Tu sais très bien. C'est le répond. Tu sais très bien que une personne qui cite une autre, ça déjà dans une certaine mesure, ça veut dire qu'il a choisi ça plutôt que cette autre citation. C'est déjà une position. Vous voyez ce que je veux te dire? Pour toi, ça va de soi. C'est pas une histoire que je partage cette avis d'emblée, c'est-à-dire, ça peut vouloir dire que je suis presque à adhérer à cette opinion, d'une part, d'autre part, parce que c'est pas seulement cette personne-là qui le dit. Il y a ce qu'on appelle, il y en a qui parlent de rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu. On est dans des réalités où les gens ne sont pas en mesure... Dans un pays, je ne sais pas, même dans un pays minuscule comme Haïti, pour ne pas parler d'un pays qu'il aime, la Russie, de 17 millions de kilomètres carrés. J'aime Haïti aussi, bien sûr, et en Russie non plus. Ou lorsqu'il y a une rumeur sort, s'il n'y a pas de fumée sans feu, dans un endroit où quelqu'un a entendu. Maintenant, la personne peut avoir, on peut dire que cette personne a inventé ça. C'est une invention, c'est une utopie, je ne sais pas quoi. Mais dans ce cas-là, on peut réfléchir sur la réalité. Qu'est-ce que tu appelles réalité, toi? L'autre a dit tout ce qui est réel et rationnel. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est pas vrai non plus, ça. Eh bien, bon, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je pense que là, de toute façon, on va tourner en rond. Il y a quelqu'un. Et c'est pas vraiment une question. Monsieur. Non, mais... Le livre, il parle de lui-même, il dit le fascisme, euh, le
fascisme, appelle-moi mystique. Mais malheureusement, les religions sont mystiques aussi, de la même manière. C'est une sorte de fascisme. Alors les fascismes, ils existent où? Moi, je suis venu pour comprendre ce qui se passe, parce que, sachant que je suis d'origine algérienne, la rente mémorielle est tout le temps derrière, qui parle justement du mythe révolutionnaire, etc., etc. Moi, j'aurais voulu savoir, économiquement parlant, qu'est-ce qu'il y a comme richesse pour que les Américains s'intéressent tant que ça à Haïti. Quelle est la richesse? Donc, tu as répondu tout à l'heure, vous l'avez expliqué. Elle est liée à une chose très simple, ça s'appelle l'impérialisme américain. L'impérialisme américain, ça s'appelle, dans la version d'ailleurs qui précédait, à l'époque des premiers ouvrages, et y compris à certaines des époques qui ont été évoquées, c'est-à-dire y compris après-guerre, dans la tradition depuis les débuts de l'occupation d'Haïti, vous voyez, 1915, c'est l'époque de Teddy Roosevelt, ça s'appelle la doctrine Monroe, au cas où vous ne seriez pas au courant. La doctrine Monroe, c'est très simple, c'est nous, notre terrain, nous, l'impérialisme américain, sous cette forme, c'est les deux continents américains. Les Européens, vous démerdez vos histoires, du moment que ça ne vient pas nous interférer chez nous. Et nous, c'est chez nous. Hein? C'est à nous, c'est nous qui... on ne veut pas entendre parler d'une autre puissance. Donc Haïti, dès le départ, l'intérêt de Haïti, comme de tous les petits pays latino-américains, ou des Caraïbes ou autres, c'est tout simplement, dans la logique de la doctrine Monroe, c'est chez nous. C'est des sous-États des États-Unis. L'intérêt économique, il vous a répondu très simplement. Je suppose que vous avez une petite idée de ce que représente la masse colossal du PIB mondial qui est détourné dans les trafics de drogue, y compris aux États-Unis. Donc c'est colossal, c'est beaucoup plus important que même des ressources pétrolières. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc on vous a répondu. Ouais. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur ce plan, vous avez eu votre réponse. Donc s'il y a une autre question, je vais ajouter une chose. Vas-y. Quand j'étais, alors c'est une banalité, mais c'est une banalité significative. Quand j'étais étudiant et qu'on passait notre baccalauréat, il y avait régulièrement, une fois tous les 3 ans, tous les 4 ans, ce sujet qui sort au bac de philo deuxième partie. Commenter cette opinion de Rifford Logan. Rifford Logan, c'est un historien américain qui a écrit et qui a dit, pour les Américains, la révolution haïtienne est une menace, un danger, une anomalie. C'est de l'ordre de la superstructure. Et pour comprendre ce que Rifford Logan a voulu dire par là, c'est qu'aux États-Unis, ils ont leur nègre. Et pour eux, un nègre, c'est un objet. Et on l'a vu récemment dans tous les débats qui ont animé les uns. Quand Rifford Logan dit pour les États-Unis, la révolution haïtienne est une menace, une anomalie, un danger, la trilogie de Rifford Logan, ça aussi, c'est une structure mentale chez les Américains qui fait qu'ils ne peuvent pas accepter que des nègres existent, premièrement. Qu'on les considère comme des êtres humains, premièrement. Deuxièmement, pour eux, tous les Haïtiens, en fait, il y a une partie des Haïtiens, ils ne comprennent pas comment se fait-il que des nègres parlent français. Pour vous, ça, peut-être ça n'a pas de sens pour vous. On parle français là. Et ils ont entendu des nègres. Bon, finalement, ils n'ont pas trouvé d'explication à ça. Il y en a un qui est brillant, qui a aimé Haïti, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'île magique ». Voilà. Donc ça, c'est la réponse. Une autre question peut-être des mêmes. Madame. Comme je profite de l'audience, je ne sais pas si j'aurai l'occasion. Je vous en prie, allez-y. La poser dans la sphère privée. Est-ce que tu la connais? C'est ça. Non. C'est Célia. Ah, d'accord. Bon, ça c'est un truc privé, donc je couperai. Voilà. Quel est le chemin? Je ne vais pas reprendre le terme mystique pour ne pas exciter, mais moi ce qui m'intéresse de savoir, puisque je t'ai toujours vu écrire, donc je pense qu'il y a plusieurs livres, plusieurs thématiques, donc je voulais connaître quel était le chemin émotionnel, et non pas, ou on pourrait dire mystique, hein, qui t'avait amené là aujourd'hui à publier et à arriver à la concrétisation de tout
de tous ces écrits que je t'ai vus, dont je ne sais pas de quoi ils retournent. Et effectivement, comme ça a été évoqué, la corrélation entre ton destin individuel et un destin collectif autour de l'histoire d'Haïti. Voilà, le cheminement. Le chemin émotionnel, c'est très simple. C'est parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai eu une amie qui s'appelle Leslie Béant, dont le frère a été assassiné, le petit frère, à la même époque que moi. C'était son petit frère, il avait 18 ans, Yvon Piverger. Et il m'a téléphoné, il était à Washington, pour me dire qu'il a l'intention d'organiser un congrès en Haïti en mai 2010 sur les 50 ans de la fondation de l'UNE, de l'Union nationale des étudiants haïtiens. À l'époque, lui, au moment de cette affaire de fondation du Nez, il était à l'école primaire. Il m'a dit, comme je sais que tu étais au cœur de cette affaire, tu as tes deux frères qui étaient en prison, est-ce que tu connais encore des noms des survivants qui accepteront à participer à ce congrès? Bon, le congrès n'a pas eu lieu parce que le président de la République à l'époque, René Préval, elle n'a pas voulu qu'on vienne faire un congrès sur son territoire, sous sa présidence, avec des anciens communistes, comme il disait. Et alors, les CPA a trouvé une autre idée, il a demandé des contributions à ceux dont je lui avais donné les noms, les survivants, et il m'a dit, est-ce que tu veux faire une petite contribution toi aussi? À ce moment-là, j'ai écrit pour sa contribution, la première partie, ce que je considère comme la première partie du livre, voilà pour le cheminement émotionnel. Mais il a publié une partie des contributions dans un livre qu'il a appelé Entre la lutte, savoir et démocratie, entre les luttes des étudiants haïtiens de ces années-là. Voilà. Bon, alors, pour ce qui concerne mon destin individuel, je suis étonné que tu me poses cette question. Bon, alors, le destin, c'est quoi? Je fais une différence entre destin et destinée. Destin, c'est cette espèce de puissance mystérieuse qui nous vient. Et la destinée, c'est l'ensemble des événements vécus au jour le jour, par tout individu à partir du moment où il se lève et sort sur le seuil de sa porte. J'aimais bien raconter chaque année à mes élèves, quand j'étais professeur, je les appelais à mon bureau, je leur dis sortez. Je dis mais monsieur, je n'ai rien fait. Je dis sortez. Bon, le professeur a dit de sortir, il sort. Je dis reviens. Reprenez votre place, prenez votre crayon, papier. Il dit voilà. Le destin est dans chacun de tes pas. Par exemple, tu vas sortir là, si tu restes là tranquille, tu n'auras pas de problème, mais je veux bien. Tu sors là et puis il y a un fou qui passe avec une trottinette à toute vitesse, hop, et puis tu tombes vers ça. Voilà, le destin est dans chacun de tes pas. Moi, ma destinée, ça a été ça. Je ne sais pas, probablement, je l'ai expliqué là comment j'étais devenu marxiste, communiste, mais de façon, parce qu'il y a un lecteur qui m'a dit c'est ton autobiographie. Bon, ce doit être les livres que je lis, et puis surtout la personne qui m'a élevé, dont, avec lequel jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai vu tous les jours, presque en me réveillant le matin, en me couchant, il y a toujours l'image de cette personne, sa manière de nous élever, qui anime mes activités quotidiennes. Voilà, c'est ça qu'on peut appeler le cheminement émotionnel. C'est une dame qu'on appelle Makeke, d'ailleurs, Kélia Obo, à qui le livre est dédié, qui a fait que je suis, je pense que je suis là. Rouge. Non, elle était foncièrement anticommuniste parce que c'était un catholique absolu.
Et puis aussi une personne qui avait un pouvoir de vision. Une mystique. Non, elle n'était pas mystique, elle était catholique. Une besoin de vision parce que quand je laissais Haïti, je suis passé pour quelques jours à New York chez elle. Je lui ai donné les nouvelles de toute la famille. Et je n'ai pas parlé de Roger, qui l'a élevé comme moi, frère. Et à un certain moment donné, j'ai vu qu'elle me regardait parce qu'elle voyait que je n'avais pas parlé d'une personne. Ah, je dis, ah, je t'ai pas parlé de Roger, parce que Roger est en prison. Elle m'a dit, je sais, Roger est venu en sang, et m'a dit, c'est à la cahier qu'on l'a tué. Et moi, je savais que Roger était mort à peine deux semaines après son arrestation, mais je n'ai jamais dit à personne dans la famille. D'ailleurs, jusqu'en 86, ma mère croyait que Roger était encore vivant. Mais quand je suis arrivé à New York, mon kéké m'a dit, Roger est venu en sang et m'a dit que c'est à la carrière qu'on l'a tué. Et là, je suis absolument certain, effectivement, qu'il a été tué à la carrière. Parce que lorsqu'on a libéré, tous ceux qui étaient arrêtés le même soir que Roger. Marcel Gilbert, Michel Hector, le petit... le docteur Yves-François Flavien, je suis allé chez lui le lendemain où il est sorti de prison. En général, en Haïti, à cette époque, sous Duvalier, quand quelqu'un sort en prison, on ne va pas chez lui, parce que sa maison est surveillée. Et toute personne qui va chez le libéré, il est automatiquement arrêté et éventuellement fusillé. Mais à l'époque, j'étais communiste, je fais mon devoir, mon frère était en prison, j'ai été... Voilà, je militais dans la même partie que le docteur Yves-François Favier. J'ai dit, on a libéré tout le monde, où est Roger? Il m'a dit, comment ça? Roger a été libéré une semaine après notre arrestation. Et il me raconte l'histoire suivante. Il m'a dit, un jour, ils étaient à Fort Dimanche, dans leur cellule. Eloïse Smet, c'est-à-dire l'un des chefs de la milice de Duvalier, est venu dans la prison, il a fait l'appel, il a demandé à tout le monde leur nom, et puis arrivé sur Roger, il lui a dit, oui, vous, comment vous appelez-vous? Il a dit Roger Oubou. Il dit, ah, vous connaissez le ministre? Roger a dit, oui, je connais le ministre, c'est mon nom. Et le lendemain, il est parti. Alors, le docteur Flavien m'a dit que tous, ils se sont réunis autour de Roger pour lui dire, bon, tu vas être libéré, tu diras à nos parents que nous ne sommes pas morts, nous sommes là à la prison à Fort Dimanche. Et bien, le lendemain, Eloïse m'était venu, il a amené Roger et on ne l'a jamais su. Mais comment Eloïse Smet pouvait-il venir dans une prison à Fort Dimanche prendre Roger Oubou sans l'autorisation de Michel Oubou, qui était le secrétaire d'État de l'Intérieur? Et Michel Aubourg et Duvalier, c'est comme ça. Michel Aubourg est un mystique comme Duvalier. C'est pas seulement son revolver qu'il a sorti quand j'étais dans la classe là, à moi. Il était dans ses mystères, on a des preuves. J'ai même une cousine qui avait un esprit dans sa tête, qui travaillait avec lui, pour lui. Donc, Loïs Smet était un simple agent. Lui, il était ministre, c'est lui qui dirigeait. Il peut pas prendre un Oubou et aller le faire disparaître comme ça. J'ai eu des discussions avec lui à propos de ce monsieur, Michel Oubou. Dans la famille, tous nous savons que Michel Oubou ne nous aimait pas et c'est un assassin. Et il m'a dit... Qu'est-ce qu'il est devenu, Michel Oubou? Il est mort, oui, évidemment. Oui, il est mort comment? Il est mort de sa mort naturelle. Comme Duvalier. Comme Duvalier, oui, l'année d'après Duvalier. D'ailleurs, en 72, je suis à New York. 72, je suis à New York chez ma tante, celle qui m'avait dit que Roger est venu en sang. Elle m'a dit que c'est à la cahier qu'on l'a tué. On parlait de la famille. Duvalier est mort en 71, avril 71. Michel Aubou est mort. Il était beaucoup 10 ans plus jeune que Duvalier. Est mort en juin 72. On parlait de la famille. Il n'était pas très vieux pourtant, Duvalier. Il est mort à 61 ans. Oui, c'est ça. Et en Haïti, c'est vieux parce que l'espérance de vie en Haïti à l'époque, c'est 42 ans. Et donc, ma tante Pélia Oubou me dit, ah, Michel,
excusez-moi, mais là, on vous entend beaucoup, là, vous faites... Voilà, merci. C'est un rat qui gratte dans son voilà, panier, là. C'est gênant, c'est, ça va être tu dans la, tu cherches un couscous. Il cherche son couscous, il cherche son couscous. Voilà. Bon. Oui. Alors, j'ai... Attends, on attend qu'on n'ait plus de bruit. Voilà. Tu arrêtes, ma fouze. Vas-y. Alors, on parlait de la famille. Et puis on est arrivé sur Michel, et la même tante qui m'avait dit que son neveu est venu ensemble lui dire que c'était à la caille. Je dis, ah, Michel avait pris un point avec Duvalier pour yon ne pas quitter l'autre. C'est du créole. Michel avait fait un pacte sacré avec Duvalier pour que l'un ne laisse pas l'autre. Donc il est mort quelques temps après Duvalier. Donc, et ça, c'est pas des blagues. De toute façon, mystique, rationnel. C'est les risques du fascisme mystique. C'est tragique mystique. Et fasciste. Toi, tu ne crois pas au mystique, tu ne crois pas à ça. Bah, bien sûr que si, je crois. Le mysticisme, c'est absolument une catégorie parfaitement claire pour moi, comme d'ailleurs les appartenances. Les appartenances de classe, etc. Bah, tu sais bien que. Je vais faire le staliniste, le stalinien pédant. C'est le commentaire que fait Marx pour le distinguer en termes de dialectique de Hegel. Hegel, par sa mystique, a défiguré, a ridiculisé la dialectique. Moi, je me suis contenté de la remettre sur pied. Avec Hegel, elle marche sur la tête. Moi, je l'ai remis sur ses pieds. Ouais. Il parle de mystique à ce propos-là. Donc, je trouve que c'est très bienvenu. Là, j'ai pas fait beaucoup de commentaires aussi élogieux qu'il le devrait sur ton livre, mais le titre est excellent. Voilà. Mais je te laisse poursuivre, à moins qu'il y ait d'autres questions. Poursuivre pour une conclusion, parce que le temps a filé. Oui, à moins qu'il y ait une autre question, je t'invite à conclure. Si tu éprouves le besoin de conclure. Eh bien, je suis très content de voir que les gens s'intéressent à cette affaire de Duvalier, surtout à cette histoire de fasciste et mystique, de façon passionnée à cette affaire. Bon, il y a des incroyants comme Jacques Gourgues, mais ils ne croient pas. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ne croient pas qu'il n'y a pas des histoires de mystères en Haïti, mais ça, c'est de toute façon... On connaît l'histoire. Donc, voilà, mais ce que je veux dire, que je suis effectivement, moi, de mon côté, persuadé que Duvalier était à la fois dans le rationnel, c'est-à-dire l'anatomie. Il connaît très bien son anatomie, parce qu'il sait très bien que les étudiants de la faculté de médecine d'Haïti sont des passionné de l'anatomie, en plus qu'il connaissait très bien son anatomie, mais surtout Duvalier ne s'intéresse pas à la médecine, il s'intéressait à la culture, à l'ethnologie, il connaissait très bien la mentalité des Haïtiens et il a utilisé ce facteur spirituel pour mieux les gouverner et c'est ça qui l'a amené à s'initier dans ce qu'on appelle en Haïti le vaudou. Mais les gens appellent le vaudou, c'est la philosophie haïtienne. C'est leur conception du sacré, et dans toute conception du sacré, il y a des choses multiples et diverses. Je te remercie. Je remercie tout le monde. Je vous demande de pardonner les incidents techniques. Et maintenant, bravo d'abord. Et comme promis, le...